C'est ici qu'un nouveau-né a passé ses 3 premiers jours de naissance. Enterré par sa génitrice après sa venue au monde, le nourrisson va être secouru par le voisinage, alerté par ses cris. Directement, j'ai couru aller chez moi prendre le pain, encore avec la serviette, venir emballer l'enfant, porter l'enfant, prendre l'enfant entre les mains de ma voisine. La scène se déroule à Banekane, village situé dans l'arrondissement de Baganté. Au moment de la découverte, la mère va feindre l'étonnée, en niant toute accusation de ses voisins. Pourtant connue de tous comme enceinte, son ventre a miraculeusement disparu. Même quand on courait pour aller à l'hôpital, elle était derrière. Je dis, courait, quand on courait pour aller, elle était derrière nous. Ce qui m'a fait, j'arrive, je regarde son ventre, c'était déjà dedans. Je dis, je dis à mon mari que regarde aussi la ventre, le ventre de la femme de Léona là. C'est comme si elle n'a plus rien. Hein. Comme elle a enterré l'enfant, il ne connaissait pas. Ce jour, hier, que c'était le matin, il a vu comme elle marche comme ça, elle ne sent pas bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à Emmanuel? Elle me dit, ouais, maman, ouais, papa, viens à la maison, il veut causer avec toi. Transportée d'urgence dans un hôpital de la place, la petite fille a été prise en charge et sa vie est désormais hors de danger. Nous avons reçu un enfant dans un sale état, un nouveau-né, et immédiatement l'équipe médicale s'est occupée de cet enfant. Demander certains examens pour voir s'il n'y avait pas une infection parce que l'enfant se trouvait dans un milieu septique et ce matin, l'enfant se porte très bien. Le couple vit dans une situation précaire. Déplacés du Nozo, ils avaient déjà 3 enfants. Démasqués, la coupable éclate en sanglots. Le retour au calvaire des populations des zones reculées de l'arrondissement de Melon ne s'est pas fait attendre une fois les premières pluies tombées. Dans le village Ninon, pour rallier le centre-ville situé à 25 km, il faut faire ce périple à pied et parfois sans chaussures. La rue de Ninon, oh ouais, ça c'est quoi ça? Ouais. Où ça a sorti? 3e mois. Au 3e mois, on souffre comme ça. Au 5e mois, on va faire comment? Et on va faire comment au 7e mois? Seigneur Jésus, on souffre. Connu comme le grenier du bassin de production agricole dans le département du Mungo, le village Ninon souffre d'un manque criard des infrastructures routières. Car pour s'y rendre en saison des pluies, il faut résoudre une équation à plusieurs inconnus. Les motos que nous avons achetées, c'est nous qui portons les motos. Alors que c'est les motos qui devront nous porter à cause de l'état de la route. Avoir des routes praticables pour écouler les produits de l'agriculture, qui est la seule activité génératrice de cette contrée, est un vœu que chérissent les populations du village Ninon depuis des lustres. Nous ne sommes qu'en avril. Et en août, nous allons faire comment? Le prolongement de la saison sèche dans le département d'Undé n'est pas sans conséquences. Ici à Bangwa, certains cours d'eau et autres ruisseaux ont tari, d'autres ont complètement séché et la pluie est très attendue. Toujours pas de pluie à Baganté et pourtant par le passé, à pareil moment, les plantes avaient déjà atteint 3 à 5 feuilles. Au niveau de la production végétale, nous avons déjà un retard dans le semis. Semis de nos du maïs haricot. Et c'est un retard qui a déjà un impact, des conséquences sur nos productions. Situé essentiellement sur les flancs des montagnes, les Mbororo vivent majoritairement de l'élevage. Ils souffrent du réchauffement climatique et ces enclos vides sont à la recherche d'herbes fraîches. Le manque d'eau contraint certains bergers à se déplacer pour Zanki, village situé à près de 82 km de la ville de Baganté. Là, il n'y a pas de l'eau et des herbes, c'est ça le problème. Et partout, ce sont les champs des gens. Nous sommes pas les, on n'a pas les libertés. Les animaux ne sont pas seuls victimes du manque d'eau. Pour trouver le précieux liquide de qualité douteuse, il faut parcourir environ 8 km. Équation difficile à résoudre pour ces derniers. Nous perdons assez des animaux. Vraiment,
il y a des moments que nous on perd vraiment même 50 bœufs. Si par contre qu'on avait vraiment l'eau ici comme forage, qu'on pouvait nous faire vraiment un abreuvoir. Parce que le plus de problèmes, c'est vraiment le problème d'eau. Cette situation entraîne la mauvaise croissance des bêtes et un taux de mortalité très élevé. Huile, sucre, arachide, poisson, riz et même manioc, rien n'échappe à l'augmentation des prix ces jours dans la ville frontalière d'Ombam. Une situation que déplorent les populations de cette localité. Le marché dur là où tu vois là, où tu vois là, mais les choses sont trop chères, il n'y a pas le marché. Le riz est cher, le sucre est cher vraiment, l'huile est chère. Le marché est dur vraiment. Tout est cher, on n'arrive pas à s'en sortir. Le poisson est cher à un degré que tu pars au marché avec 10 000, tu rentres même, tu vois pas ce que tu achètes avec. L'huile est chère, le cube, tout est cher. Même le cube de poisson, c'est le poisson. Le kilo de maquereau est aujourd'hui à 1600 le kilo. 1600, 1700, 1800 le kilo de maquereau. Dans le panier de la ménagère, l'impact est considérable. La ration alimentaire journalière ne suffit plus. Et des voix se font entendre. Nous sommes vraiment touchés sérieusement parce que les prix sont devenus exorbitants. Tout est devenu cher au marché, le panier de la ménagère, ça ne donne pas. Nous sommes vraiment menacés. Il y a l'huile qui a augmenté, les vins, les poulets, les jus qu'on avait, l'arachide a augmenté, le haricot, tout a augmenté. Ne serait-ce que le pain qu'on chargeait. Avec ce pain-ci, je peux nourrir mes enfants, mais maintenant, je ne peux pas. Parce qu'on me vend le pain à 150. Je paye mon pain même. L'argent doit à la boulangerie. Le lendemain, je pars payer la moto pour prendre le pain. Pour revendre le même pain à 150, je ne m'en sors pas. Le ministre du Commerce fasse quelque chose pour revoir les prix. Parce que vraiment, ça ne va pas. Les populations de cette partie du pays se plaignent et interpellent le gouvernement pour un retour à la stabilité des prix de cette denrée alimentaire. Une vingtaine de délégués du personnel conviés ce jour à Ombam. Pour le compte d'un séminaire de formation, ils ont échangé sur la situation et le rôle d'un délégué du personnel dans une entreprise. La délégation départementale du travail de la vallée du Ntem a abrité l'événement. C'était l'impréhension des délégués du personnel. Leur donner des rudiments de base, des connaissances réglementaires et législatives en matière de droit du travail, afin que ces derniers puissent être aguerris et collaborer pour le meilleur des cas en vue de la productivité de la société. Plusieurs points ont été soulevés, entre autres les droits et devoirs des délégués du personnel, la collaboration entre employeurs et délégués. Nous avons de très bonnes relations avec eux, surtout au niveau de ma position de représentant de l'employeur. Je sers de relais de transmission entre les doléances données par les délégués du personnel suite aux différentes revendications du personnel, vous voyez, et transmission auprès de la hiérarchie. C'est une grosse responsabilité en tant que délégué. Déjà, dans l'exercice de notre fonction, nous avons l'obligation de soutenir nos camarades, nos collègues dans toutes les difficultés que nous aurons à rencontrer. Et nous espérons que la collaboration sera très bonne entre nous, à notre employeur et la délégation départementale du travail. Nous avons toujours besoin du soutien et de l'accompagnement pour que tout se passe bien. Cette formation est une opportunité pour les délégués du personnel de mettre en œuvre les connaissances acquises au profit des entreprises de la vallée du Ntem. C'est un palais qui a mis ses plus beaux atouts pour l'accueil de la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale, ici représentée par son président. Il est question pour Daniel Ona Ondo de présenter les condoléances à la famille royale, mais surtout assurer la continuité des relations avec le sultanat. Je voudrais présenter mes condoléances à vous, de dire tout l'honneur que nous avons de savoir que vient s'intégrer à cette industrie disparue. Naturellement,
féliciter le nouveau roi. On dit le roi est mort, vive le roi. Donc féliciter le nouveau roi et lui souhaiter surtout une bonne trajectoire. Nous avons la chance d'avoir un sultan jeune qui est dynamique, qui a un nom moderne. Riche moment d'échange culturel et un grand instant d'explication de l'intégration sous-régionale. J'ai surtout aimé la symbolique qui a été évoquée pendant que j'étais là. Elle est la partie présente. Donc, je l'ai évoqué, je suis allé au village artisanal, j'ai visité le musée. Je crois que je peux instruire par une dimension tout à fait extraordinaire. Parce que malheureusement, si vous faites ici, beaucoup de peuples le font dans l'Afrique. Tout ce que nous avions comme culture est en train de disparaître. Et quand un peuple a plus de culture, c'est pas un peuple mort. Donc c'était un changement. Les rapports entre les États de l'Afrique centrale, en plus des questions économiques et de développement, la culture est aussi prise en compte. Onze commissions au total mises sur pied pour préparer la 136e édition de la Fête du Travail à Bafia. La première réunion préparatoire, présidée par le préfet Djumba Meinoubou, a permis de rappeler au public l'importance de cet événement. Nous travaillons une fois de plus célébrer la Fête internationale du travail. Et nous notons que ça fait 2 ans, à cause du Covid, on n'a pas eu à célébrer cette fête. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour que nous puissions mettre en place un bon programme et des commissions. Célébrer les travailleurs pour le préfet Djumba Meinoubou signifie porter aussi un regard sur l'économie, véritable régulateur de l'épanouissement social. Notre objectif, c'est pour faire que les travailleurs qui ont continué de travailler dur pour maintenir l'économie et les services de notre pays reçoivent ces reconnaissances. Après 2 années de silence à cause de la crise de Covid, les syndicats des travailleurs entendent œuvrer par des sensibilisations pour mobiliser des troupes et redonner au 1er mai ses colorations festives. Ça fait 2 ans que nous avions vraiment, nous n'avions pas participé à la fête par rapport au Covid. Maintenant, nous allons nous mettre à sensibiliser les gens, les travailleurs, les employeurs, ensemble avec les employeurs, pour qu'ils participent pour la réussite de cette fête. Toute la machine est en œuvre pour que la fête du travail soit belle à Bafia. C'est une place de fête officielle qui offre près de 1000 places assises, compartimentées en 3, donc la tribune d'honneur et 2 tribunes complémentaires. L'esplanade accueille près de 3000 personnes et l'ensemble de l'infrastructure enregistre un espace marchand de jeux et de spectacles avec parking de près de 100 places. De quoi satisfaire les attentes des initiateurs du projet. Rassemblement de toute la population de notre arrondissement, Konyamétan et puis un gros village de 2600. Nous avons déjà près de 25 000 âmes qui viennent de part et d'autre, de partout. Donc il était temps pour nous de commencer à mettre des infrastructures dignes d'une ville. Beaucoup reste à faire, notamment la construction des toilettes publiques et l'installation d'un système d'éclairage. Mais les populations manifestent déjà sans réserve leur joie de disposer elles aussi d'une place de fête de qualité à Konyambeta. Ici, à 2 doigts de chez moi, c'est un très grand avantage, c'est très avantageux pour nous qui sommes de l'autre côté, de l'autre rive de Mo. Pour arriver, c'est comme ça. Événement symbolique présidé par le préfet du département qui a invité l'ensemble des populations à plus de responsabilités dans la gestion et l'entretien de cette infrastructure. Pour inaugurer la place de fête officielle de Konyambeta, qui a été aussi un projet dans le budget de la commune de Mobutu. Nous notons avec satisfaction
la réalisation effective de cette place de fête qui va donner à cette jeune arrondissement les moyens pour rassembler ses populations. Kouniambeta s'érige ainsi au rang des villes disposant de confortables places de fête dans l'Ombam et Inoubou. Ils sont environ 90 candidats qui ont passé le concours des jeunes meilleurs entrepreneurs dans le secteur agro-industriel. 6 de ces jeunes entrepreneurs, après une bonne présentation de leur projet, ont reçu un appui de 650 000 francs CFA chacun. C'est un projet pour les jeunes. Et maintenant, le reste, c'est d'avoir être dans le Mongo, avoir le projet, vivre dans le Mongo, implémenter le projet dans le Mongo pour un premier temps et surtout soumissionner un dossier, un projet. Un projet, donc, c'est ce que nous avons dit. Il n'y avait pas un critère académique. Et vous avez participé, vous avez vu que ces jeunes sont talentueux. Il faut juste simplement un effort, un appui, un accompagnement pour qu'on découvre autant de talents dans ce pays. Cette somme permettra à ces jeunes entrepreneurs du Mongo de booster leur projet et de lutter efficacement contre la vie chère, le chômage et la pauvreté. Cette organisation, c'est le sentiment de ce que je suis vraiment très contente d'être parmi les lauréats et avoir bénéficié de ce prix. Et à l'endroit des organisateurs, j'adresse un très grand merci déjà pour l'initiative de faire sortir les jeunes, de faire éclore l'œuvre des jeunes du Mongo. Nous disons déjà merci à tous les organisateurs, à tous les sponsors et à tous ceux qui de fort de loin on passe au bon déroulement de cette événement. À l'issue de cette célébration, les différents finalistes ont reçu un parchemin de participation soutenu par le partenaire Eyangof et le ministère du Minader et du Minépia. La deuxième édition aura lieu dans un département du sud-ouest Cameroun.